Bonjour à tous, bienvenue pour ce petit cours de cuisine. Bon, je sais pas pourquoi quand on fait des vidéos sur la cuisine, et ben forcément les gens ils prennent un accent bizarre. Bon alors bonjour à tous pour ce cours de cuisine pour comment faire venir le mâchoire. Bon alors on va être très simple. Moi j'ai dans ma recette deux ingrédients, c'est tout. Mais en fait, vous savez, quand on fait une recette, enfin, c'est peut-être que moi, hein, mais on prend plein d'ingrédients. Et il y en a que tu vas utiliser, et il y en a que tu te rends compte qu'il faut surtout pas les mettre dans la recette, sinon, ben sinon c'est pas bien. Donc ta recette elle va être pourrie si tu te trompes. Donc moi j'ai deux ingrédients, il y en a un qu'il va falloir mettre dedans, et l'autre qu'il faudra surtout, mais alors surtout pas mettre dedans. Alors voilà mes deux ingrédients, il y en a un, il est là, c'est le rambam, en l'occurrence, les lois sur le mashiach, et mon autre ingrédient c'est... ma baguette magique d'Harry Potter. Voilà, alors très attention, il y en a un qu'il faut mettre dedans et l'autre qu'il faut pas mettre dedans. Bah vous avez compris. Pour moi, si tu veux faire venir le Mashiach, une chose est sûre, la baguette d'Harry Potter, tu la jettes. En d'autres termes, toutes tes conceptions complètement erronées et complètement Harry Potter du Mashiach, que le Mashiach c'est un mec, un Harry Potter avec des péotes qui fait des miracles, et le Mashiach il vient et tout d'un coup il y a des arbres à croissants, et tout d'un coup le monde il est le monde des bisounours, il y a des licornes volantes qui passent, avec des licornes volantes cachères hein, évidemment. Non, c'est pas ça le Mashiach. Et donc si tu veux faire venir le Mashiach, la première chose à faire c'est d'apprendre. D'apprendre qu'est-ce que c'est vraiment le Mashiach version juif. Et là tu te rendras compte eh bien que le Mashiach, si tu veux qu'il vienne, eh bien ça dépend évidemment de ton comportement au quotidien, mais ça dépend surtout de à quel point tu es conscient de ce que ça représente, la dimension de la Géoula pour le peuple juif. Pour ça il n'y a pas 36 solutions, il faut que tu te fasses une grosse dose d'études pour savoir qu'est-ce que c'est que la Géoula et le Mashiach version juif, pour pas que tu te retrouves à croire à des choses qui sont... Au contraire, que tu comprennes que tout dépend de nous et que tout est tout à fait acceptable et réalisable dans notre quotidien et dans notre monde à nous. Alors, on se retrouve bientôt avec le Mashiach.